Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakarna Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. C'est gratuit, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne. Et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakarna Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour 40-50 minutes désormais avec notre ami Ilyalana. Bonjour Major Ilyalana, comment allez-vous? Bonjour, vous êtes bien formel ce matin. Je vais bien en tout cas, merci beaucoup. Et vous? Eh bien tout pareil, merci beaucoup. Oui, au formel, ça change un peu, hein. Eh bien, savez-vous que nous faisons nos vidéos podcasts de plus en plus longues? Il faudrait essayer de se tenir vraiment un format plus court. Franchement, ça risque d'être décourageant pour les gens d'écouter des vidéos d'une heure chaque fois. Ah, mais je comprends bien, hein. Je comprends bien, mais faudrait peut-être sélectionner moins de questions par numéro, alors je sais pas, parce que il y a quand même des choses sur lesquelles il faut s'étendre un petit peu, non? Je ne dis pas que c'est votre faute, hein. Je vous en parle parce qu'on est à deux, hein. Donc, mais c'est vrai qu'il faudrait essayer de faire peut-être un petit peu plus court quand même. Parce que là, d'abord, c'était 48, 50, maintenant ça fait une heure. Non, c'est un peu beaucoup quand même. Bon, allez, on y va tout de suite, comme ça, moins on perdra de temps, et bien moins long ce sera. Alors, pour cette 19e vidéo podcast des entrevues avec une viche, Sélénée nous pose la question suivante. Bonjour, avec un grand soleil. Je suis avec beaucoup d'attention vos vidéos. Cela vient soutenir l'espoir qui est en moi. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Ma question porte sur le couple. Les schémas de couple que nous avons adoptés dans beaucoup de sociétés, souvent liés aux religions, aux croyances, me semblent limitants. Comment seront les couples, les familles, dans le nouveau paradigme? Alors, je me permets de coupler cette question avec la deuxième question de Nanouchka, dont nous traiterons la première question tout à l'heure, après, et qui demande « Le phénomène flamme jumelle est-il réel ?» ou « Si c'est le cas, qu'en est-il d'elle à cette époque ?» Donc, il s'agit de questions sur le couple, je pense qu'on peut les assembler, ça évitera un doublon. Et donc ça permettra d'englober le sujet de manière un peu plus vaste. Alors, le couple, Ilyalana. Alors, vous êtes une vie, vous ne vivez pas en couple. Est-ce que vous estimez avoir, entre guillemets, prenez pas mal, mais les compétences pour répondre à cette question? Alors oui, absolument, j'ai parfaitement les compétences pour répondre à cette question, même si je ne vis pas en couple. Potentiellement, je pourrais, hein. Ça m'empêche pas de connaître les règles, quoi, mais d'observer ce qui se passe. C'est une très vaste question, hein. Bon, j'essaie de la synthétiser les arguments dans ma tête avant de m'étendre trop longuement sur la question, parce que là aussi, ça se demanderait vraiment un développement conséquent. Disons que, il est vrai que, plus que limitant, je dirais que les histoires de couple en âge de fer, enfin disons dans le passé, étaient davantage destructrices que quoi que ce soit d'autre. Il y a eu des histoires, il y a eu des couples qui ont été fantastiques, hein, ça n'empêche pas. Disons que dans la majorité des cas, on voit quand même encore un petit peu aujourd'hui, on voit que les couples s'entre-déchirent et tout ça, ça donne, me rend une image absolument lamentable. Moi, ce que j'ai toujours trouvé étrange, c'est que les gens voyant malgré tout l'exemple donné par leurs aînés, ont malgré tout toujours ce rêve du partenaire idéal,
en fonction de leur propre sensibilité, leur propre sens des valeurs, hein, ça peut varier beaucoup, mais enfin, disons qu'il y a toujours, toujours l'entretien de cette flamme visant fondée sur la vision d'un couple parfait. Et généralement, la jeune génération suit l'exemple de la précédente de manière différente, mais enfin retombe dans le même schéma. Et c'est vrai que c'est assez désespérant parce que la vie d'un couple est censée être quelque chose de merveilleux. Hein. On dit toujours, le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Bon, c'est rarement vrai, mais enfin disons que cet événement véhicule quand même cette notion de merveilleux que c'est censé représenter. Alors, pour répondre à cette question concernant les couples dans l'avenir, je voudrais dire deux choses. D'une part, nous avons pour modèle fondamental le couple sacré. Le couple sacré, ça, il faudra peut-être en parler un jour, parce que, bon, on dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement. Mais on peut très justement imaginer que le couple sacré représente l'exemple emblématique du couple le plus parfait que l'imagination soit capable de pouvoir concevoir, et encore bien au-delà de ça. Je pense savoir que le couple sacré a aussi se donne pour mission de tenter de représenter le modèle parfait pour les gens qui voudraient vraiment vivre et s'accomplir dans une vie de couple. Mais au-delà du modèle comportemental que ça peut représenter, il y a aussi le choix du partenaire. Là-dedans intervient un problème majeur, c'est que les gens n'ont pas la patience d'attendre. Ils veulent se trouver quelqu'un, une fille, je veux un copain, les garçons, je veux une copine. On se choisit n'importe qui, du moment qu'il y a une belle tête qui correspond, qui fait frémir l'un et l'autre. Et puis, il y a ce besoin de faire comme tout le monde. Ah, tout le monde est en couple. Moi, je suis pas. Je suis le bouton noir. Ça, c'est dommage, par contre, parce que personne, quasiment, absolument personne, ne laisse au destin, au plan prévu pour lui, le temps de lui amener la personne parfaite pour lui. Peut-être que quelqu'un n'a pas à être en couple pour son propre développement personnel, n'a pas à être en couple avant l'âge de 30 ans, c'est pas une catastrophe nucléaire, quoi, je veux dire, c'est pas, s'il y a 15 ans on n'est pas déjà en couple, et puis, ça va pas, on n'est pas normal, alors. C'est ce besoin de coller à l'uniformisation comportementale de tout le monde, alors ça marche pour personne, mais tout le monde veut faire pareil quand même, c'est du vrai délire. Je pense que si cette vie en couple doit représenter quelque chose de très important, parce que c'est le cas, hein. Bon, c'est pas, je parle, comme la vision a été faite tout à l'heure, je suis peut-être pas le meilleur exemple, ou la mieux placée pour en parler, puisque les fiches ne vivent pas en couple a priori, à moins qu'il y ait un plan derrière, pour des raisons bien précises, mais bon, c'est autre chose. Disons que nous n'avons pas besoin du couple pour nous accomplir. Là nous, ça nous freine plutôt. C'est gênant, c'est encombrant, on se prend les pieds dans des tas de considérations qui nous apportent. Mais on comprend parfaitement la légitimité d'une vie en couple saine et accomplie, et qui, ça rend heureux, ça. C'est censé rendre heureux. C'est pas censé rendre malheureux. On voit des gens, c'est des aberrations incroyables. Il y a des gens qui se sont mis en couple pour pouvoir avoir le plaisir de tromper leur partenaire avec quelqu'un d'autre. Ou alors des gens se mettent en couple pour se sentir normaux. Et à ce moment-là, à partir du moment où ils se sentent normaux, alors ils partent en chasse d'un autre partenaire, en évacuant éventuellement le précédent.
ses dents, une fois qu'ils ont à nouveau, ben ils partent en chasse à nouveau. Enfin, c'est de la folie. C'est pas que dans le monde masculin, hein. Les hommes font beaucoup ça. Mais la tendance s'est pas mal inversée ces dernières années. Les femmes ont tendance à s'y mettre aussi. Donc, où est l'idéal d'un couple parfait dans cette histoire? Ou alors les gens sont blasés, je ne sais pas. Il y a beaucoup de ça aussi. Ou la volonté de prendre une revanche, ah ben moi on me prendra pas pour ça, moi c'est moi qui vais en faire baver aux autres, comme ça je suis sûr qu'on m'en fera pas baver, c'est pas du tout une garantie qu'il ne vous arrive à rien. Oui, il y a énormément de cas de figure. C'est vrai que c'est une question, la vie en couple est quelque chose qui est fracassé, je trouve, dans la tête et dans le cœur des gens. En plus, l'ennemi a complètement bouleversé, enfin essaye en tout cas, hein, il n'y arrive pas si bien, mais a essayé de mettre en miettes l'histoire de la vie de famille, alors que c'est un contexte qu'il a lui-même créé pour y engluer les gens. On voit que ça a quand même bien fonctionné, vu les exemples déplorables qu'on en a, parce que rares sont quand même les couples harmonieux, hein, mine de rien, aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, on se contente de ce qu'on a et puis on rêve d'autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'on rêve d'autre chose? Parce qu'on n'a pas choisi le bon partenaire. On s'est contenté du premier venu ou de la première venue pour se sentir normal et puis après, bon ben voilà. Non, c'est pas bon ça. Il faut. Un être humain est un être social, on est d'accord, mais c'est un être qui est censé être individualisé. La plupart des gens veulent se mettre en couple pour avoir une béquille sur laquelle s'appuyer. Donc non, il faut... L'idéal est d'être parfaitement autonome, soit tout seul, sans avoir besoin de personne, et offrir cette autonomie éventuellement à un ou une partenaire qui vous rendra l'appareil. Ça donne un couple du tonnerre. Donc il y a déjà cette volonté de dominer l'autre, d'en faire son jouet, sa propriété. Ça c'est quelque chose qui va devoir absolument disparaître, et qui disparaîtra d'ailleurs. La plupart des gens considèrent que leur partenaire est leur propriété. On peut en faire ce qu'on veut, c'est à moi, je suis tranquille. Et puis de toute façon, comme c'est mon bien, je peux faire ce que je veux, de toute façon c'est à moi. Voilà. Il y a cette notion d'acquisition. Ah, le partenaire est acquis. Donc voilà, on n'a plus de soucis à se faire, on peut faire n'importe quoi avec. Hein, c'est pas si simple, hein. L'autre, il éprouve, il réfléchit aussi, et puis voilà. Mais les gens en démordent pas de ça. Mais même les gens qui sont ouverts à cette perspective d'un couple harmonieux se retrouvent devant la perspective de devoir gérer une situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés parce qu'ils considèrent mal leur partenaire. Ils le considèrent donc comme étant le propriétaire ou la propriétaire de leur partenaire. C'est vissé dans l'inconscient, ça. C'est vraiment, ça cause énormément de tort. Donc cette appropriation de l'autre, c'est quelque chose dont il faut absolument se débarrasser. Il y a cette redécouverte du respect et de l'émerveillement qu'on peut trouver chez l'autre, mais à condition que l'autre ait la même manière d'envisager le couple. Hein. Ça peut pas être unilatéral, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt d'attendre un partenaire idéal. Faites le choix pendant votre jeunesse du partenaire ou de la partenaire parfaitement idéal, concevez-en les traits, les détails et lancez ça. Envisagez ce que vous aimeriez pouvoir vivre, lancez-le à l'univers et oubliez-le. Et l'univers vous le rendra en termes concrets. Ça, on a déjà vu que ça fonctionne très bien. Mais il faut avoir la patience. Pour ça, il faut avoir la patience d'attendre que la bonne personne arrive. Mentalement, vous ne pouvez pas choisir quelqu'un qui vous convienne. Vous ne savez pas si la personne vous convienne. Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Comment voulez-vous prétendre connaître quelqu'un d'autre? On dit qu'il faut vivre avec quelqu'un pour le connaître, mais même pas. Même vivre 20 ans avec quelqu'un, vous découvrirez encore des choses que vous ignorez. Lui-même s'ignore. Donc oui, c'est quand même très complexe. Partager sa vie avec
quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est forcément différent de vous, c'est quand même très délicat. On se fait une image. Toujours, hein, il y a cette image, on se fait une image de quelque chose d'idéal. Mais pas forcément, hein, pas forcément du tout. Donc, c'est quelque chose qui doit être. On doit laisser le destin décider, on doit laisser le plan décider pour soi, puisque mentalement, on est incapable de pouvoir déterminer. C'est pas parce que quelqu'un vous plaît que c'est quelqu'un qui est parfait pour vous. Il y a des gens qui sont magnifiques et qui puent la mort, hein, ça. Si la beauté était un gage de valeur, ben ça se saurait, hein. Bon. Vous voyez, donc, en plus, la plupart des couples qui se sont formés dans le passé ne se sont jamais formés sur base de l'amour ou de l'attirance émotionnelle, ou de l'attirance qui soit fondée sur la compatibilité. C'était exclusivement des liens karmiques, et en général, un karma qui n'était pas très très avantageux. Combien de gens se sont trouvés englués dans des histoires de couples qui des couples qui se sont formés uniquement pour régler des comptes karmiques, uniquement, exclusivement. Et en plus, parfois c'était des règlements de compte relativement violents, parfois c'était très court. Donc finalement, on se retrouve avec une personne avec laquelle on vit, ou bien ou mal, peu importe. Mais la légitimité du couple ne valait que, admettons, pour 3 ans, voilà. Et puis après, tout le reste de la vie, on subit la personne. Alors religieusement, effectivement, divorcer, normalement, ça vous promet aux flammes de l'enfer. Enfin, c'est hallucinant le nombre de délires qui ont pu se greffer autour des circonstances de la vie de l'humain. C'est hallucinant. Alors évidemment, tout ça disparaîtra dans l'avenir. Ce sera quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant quand même que ce qui a été vécu. Alors, pour en venir à l'histoire des flammes jumelles, ça, je pense que c'est une nouvelle manière d'appeler les âmes sœurs. Alors, le phénomène d'âme sœur, c'est encore très particulier. J'avoue que flamme jumelle exactement, en tant que telle, ça ne me parle pas spécialement. Âme sœur, peut-être davantage, parce que c'est plus ancien, il y a plus d'historique derrière. L'âme sœur, normalement, c'est une âme qui convient à l'absolue perfection à ce que vous êtes. Alors, il faut d'abord savoir que dans ce genre de situation, il n'y a pas qu'une seule et unique âme, flamme ou jumelle ou ce qu'on veut. Il peut potentiellement y en avoir plusieurs. Et il y a des degrés de compatibilité. En plus, hein, on peut être à 100% compatible, 99%, 90%, 80%, jusqu'à 80%, c'est idyllique, hein, 80 et plus, à la limite, on ne verrait même pas tellement la différence. Le problème qui se pose, c'est que si cette compatibilité trop intense entre deux âmes, de polarité complémentaire, on se trouve dans la situation d'un attachement absolument viscéral à l'autre, où l'autre est considéré comme étant ultra prioritaire sur toute autre circonstance de la vie, et on se désintéresse de toute autre chose que du partenaire, que de sa présence. Et du coup, que se passe-t-il? Quand l'amour est trop fusionnel, les âmes s'agglutinent l'une à l'autre, elles cessent d'être indépendantes et individuelles, et elles deviennent plus pesante qu'elle le devrait, elle s'associe, ils n'en font plus qu'une, mais ça c'est pas bon, hein. Ça devient un âme groupe, un groupe à deux peut-être, mais c'est comme un âme groupe, et ça empêche toute évolution. Donc un tel couple risque de se voir séparés, malgré toute la douleur que ça représente. Si jamais ils ne font pas eux-mêmes l'effort enfin, de prendre une certaine forme de distance, en tout cas un détachement de l'autre, pas un désintérêt, pas un éloignement, mais
de prendre un peu de recul et de ne pas se désintéresser, désintéresser, pardon, de toutes circonstances de la vie. Parce que là, toute chance d'évolution disparaît et l'autre ne peut pas représenter le seul élément dynamique d'évolution. Le couple peut être aussi extraordinaire qu'il veut, le partenaire peut être aussi fabuleux qu'il le veut, il ne peut pas à lui seul représenter pour vous une dynamique évolutive. C'est toute l'existence au complet qui est nécessaire. Et si vous privilégiez ce partenaire, si fantastique soit-il, tout le reste va en pâtir, et votre évolution aussi. Et ça, en étant d'âge de diamant, ou d'or, enfin maintenant c'est terminé l'âge d'or, on est dans l'âge de diamant, on reviendra pas en arrière, ça risque de poser un très très sérieux problème, parce que la priorité absolue, c'est l'évolution, c'est pas un couple idyllique. Donc c'est très délicat. En âge de fer, dans le passé, aussi d'ailleurs, les âmes sœurs étaient généralement systématiquement séparés karmiquement. Il y a toujours un des deux qui mourait. C'était l'effondrement pour l'autre. Là, pour des raisons complètement différentes. Alors, un tel couple est extrêmement créateur, c'est vrai, mais il n'y a pas que la création qui compte. Et puis, il faut être quand même dans la maîtrise de son affectivité, de ses sentiments. Et là, il ne faut pas se laisser consumer par cet amour-là, ce qu'on appelle la passion. Donc, la vie de couple, c'est très délicat. Je suis absolument convaincue que on apprendra à l'école, très jeune, les implications d'une vie de couple, parce que ça détermine toute l'existence d'un être humain, finalement, hein. C'est quand même plus utile de savoir comment négocier avec l'autre les conditions de son existence plutôt que de savoir combien de tonnes de bananes étaient exportées par l'Afrique vers l'Europe dans les années 70, par exemple, hein, genre de cours qu'on trouvait au lycée. Bon, c'est ridicule. Je suis tout à fait partisane du fait que l'enseignement des jeunes générations, enfin des générations à venir, quoi, doit être porté sur les circonstances dans lesquelles les âmes incarnées vont pouvoir s'accomplir encore une fois et vivre correctement, hein, dans ce monde, connaître ce monde, connaître sa relation à l'autre. C'est absolument impératif. Là, on ne sait pas. On essaye, on tâtonne, on reproduit les erreurs des autres, des précédents, parce que finalement, eux-mêmes, on ne savait pas plus que leurs aînés propres. C'est un sacré bazar, tout ça. Hein. C'est un sacré bazar, quand même. Donc, oui, il y a énormément de choses qui vont changer à ce niveau-là. Énormément, énormément de choses qui vont changer. Mais le fondement du couple va devoir obligatoirement passer par une désappropriation de l'autre. Je peux pas donner toutes les règles qui présideraient potentiellement un couple parfait, ce serait infiniment trop long. Mais ça, c'en est quand même une base essentielle. Cette désappropriation de l'autre. Je pense que c'est absolument indispensable. On ne pourra rien faire d'autre sans passer par là d'abord. Et ensuite, l'histoire des flammes jumelles ou des sœurs, des âmes sœurs, oui, absolument, hein, on est parfaitement d'accord avec ça, mais avec prudence quand même, parce que les implications, ne sont pas anodines non plus. Alors, curieusement, si un couple humain, d'âme humaine, c'est un couple fusionnel, c'est une catastrophe pour l'évolution spirituelle de chacun, l'évolution intérieure de chaque personne composant le couple. Alors que curieusement, le couple sacré, lui, qui est représenté par une incarnation féminine et une incarnation masculine de l'absolu, le couple sacré doit impérativement, lui, être fusionnel. C'est la seule chose qui change. À la limite, ça se voit pas trop. Ça
Le couple sacré peut rester un exemple emblématique pour tous les couples du monde. Sauf à ce niveau-là. Lui n'est pas franchement perceptible. Heureusement, on ne peut pas le copier quelque part. On ne peut pas le prendre pour modèle sur ce point-là, parce que ce n'est pas perceptible. Mais se méfier quand même de toute chose. Rester vigilant. Faut pas s'abandonner complètement. Il faut rester vigilant. Voilà. Tout peut être vécu, hein. C'est pas un souci. Il y a pas de garde-fou, d'interdit. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut dans la mesure où ce n'est pas contaminateur. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison que ça soit. Néanmoins, de toute façon, si jamais un couple se dirige dans une mauvaise direction, mais vraiment genre mauvais, de laquelle on ne revient pas bien, dans ce cas, la vie elle-même intervient. Elle interviendra, elle tranchera ce qui doit être tranché. La vie ne fait pas dans le détail. C'est pour ça qu'il vaut quand même mieux apprendre les bases avant pour pouvoir les gérer soi-même, parce que si on laisse à la vie toute attitude pour le faire en s'en foutant soi-même, du bon, de toute façon tout va bien, je fais ce que je veux, oui, effectivement, c'est une possibilité. Mais à ce moment-là, si la vie, elle, doit intervenir, c'est en général beaucoup plus abrupt quand même, hein. Enfin voilà. Oui, là vous avez abordé un certain nombre de détails qui sont quand même qui sont absolument essentiels dans la vie des gens et dont on parle extrêmement rarement. De toute façon, les psychologues de couple, tout ça, répercutent en fait des données académiques qui leur ont été enseignées en fac, comme ça. Bon, ils y croient dur comme fer parce que ça représente l'autorité cognitive en termes de. Voilà. Bon, après, ça n'a jamais vraiment sauvé un couple, mais les détails envisagés tels que vous l'avez fait sont quand même. Donnent à réfléchir, quand même. Hein. Au minimum, c'est quand même ce qu'on en attend finalement. J'espère que ça portera ses fruits pour les gens qui peuvent écouter ça et éveiller leur esprit, leur conscience par rapport à cette réalité-là, auquel on ne pense pas forcément. Ben oui, c'est le but, hein. Si je donne des éléments comme ça, bon, c'est pas pour avoir l'air de tout savoir, hein, mais ça peut donner des pistes, ça peut éveiller. Après, si ça parle à personne, bon, peu importe, hein, c'est pas important. Mais bon, ben, voilà, je pense qu'il y a des éléments auxquels on ne pense pas forcément et qui pourraient être intéressants, sur lesquels il peut être intéressant de se pencher à l'occasion, effectivement. Oui, en effet, oui. Merci pour ça. Alors, on revient à Nanouchka qui demande également, est-ce qu'il y aura un antidote aux effets du vaccin sur l'ARN si une personne regrette son consentement et s'éveille alors qu'elle a eu l'injection? Alors là, je pense qu'elle veut dire si une personne s'est laissée avoir, s'est laissée vacciner et qu'il y a une prise de conscience après, oups, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a reçu dans les veines finalement. Ouais, donc on change complètement de sujet, c'est du tout pareil. Ah oui, sans transition, on passe à autre chose. Absolument, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer la question, hein. L'histoire des vaccins. Nous avons travaillé très dur pour désactiver complètement, d'une part, la charge virale du vaccin et désactiver la charge toxique de ce qui constitue le vaccin, les adjuvants et toutes les choses qui sont rajoutées qui ne devraient pas y être, hein, que ce soit le mercure, entre autres, enfin, des agents toxiques, c'est dingue. Si on fait l'analyse d'un vaccin, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Donc, on a éliminé. Bon, par contre, éliminer la charge toxique de la chose, c'est une chose. Maintenant, on ne peut pas empêcher, malheureusement, la réaction du corps face à ce qu'il reçoit. Ça, c'est un peu problématique. C'est-à-dire que on a été mise face au constat que beaucoup de gens qui recevaient le vaccin, notamment Pfizer, puisque c'est eux qui veulent absolument le marché, donc ils s'imposent partout, par les moyens légaux et illégaux, peu importe, c'est pas grave, l'essentiel c'est de passer, de faire de l'argent.
que beaucoup de gens réagissaient par des crises d'allergie qui finalement pouvaient aller jusqu'à les tuer. Ils ne meurent pas du vaccin en tant que tel, mais de l'hyperréaction du corps, l'hyperréaction allergique aux composés. Alors, s'il y a une modification génétique qui intervient due à la présence de l'ARN messager dans le vaccin, effectivement, le retour en arrière d'une mutation est quand même difficile à opérer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen. Au cas par cas, c'est pas simple parce que chacun est différent et de manière globale, c'est pas évident non plus pour l'instant parce que il y a des éditions différentes du même vaccin. Il porte le même nom, le même numéro, mais disons que le laboratoire édite des références différentes et le modifie légèrement en fonction des résultats obtenus ou non obtenus qu'ils auraient aimé pouvoir obtenir. Donc pour l'instant, c'est un petit peu complexe. Je dirais que rien n'est jamais impossible. Il y a toujours moyen de faire avec. Mais dans le cas actuel, on est dans l'expectative, disons. On fait en deux temps. Pour l'instant, on essaye de décharger au maximum. Il y a beaucoup de gens hein, qui se sont fait inoculer, qui n'ont rien. Les gens qui réagissent au vaccin sont soit des âmes qui auront accepté de mettre fin à leur incarnation, comme ça c'est souvent fait, hein, pour représenter un exemple de danger qui sera médiatisé, sont des gens qui de toute façon seraient inaptes à supporter le nouveau paradigme. L'âme le sait, elle en conçoit pas forcément une déception, mais elle sait qu'il faut qu'elle se mette à jour. Je parlais de ça dans la vidéo précédente. Et elle ne peut le faire, elle ne peut pas le faire en état d'incarnation. Il faut qu'elle passe de l'autre côté et qu'elle se fasse enseigner, disons, les éléments qui lui manquent. On ne peut pas les lui transmettre comme ça parce que le mental bloque à ce moment-là. Donc ces âmes qui sont quand même bien positionnées, mais qui savent ne pas être à jour et qui savent qu'elles vont devoir partir, à ce moment-là, mettent cette nécessité à profit pour qu'elles puissent représenter un témoignage le plus médiatisé possible de la dangerosité de la chose. Maintenant, il y a des gens qui sont des crapules et qui fanfaronnent et qui ont reçu un liquide physiologique, un comme politique, qui fièrement se font « Ah oui, je me fais vacciner comme tout le monde, c'est normal, il m'arrive rien. » Eh bien, il y a des gens qui reçoivent aussi, qui appartiennent à l'ennemi, au rang ennemi, et qui reçoivent non pas le vaccin, mais enfin un liquide neutre, comme un liquide physiologique. Et le corps réagit comme s'ils avaient reçu le vaccin, de manière à ce qu'ils puissent dégager. Et servir la cause également de dénonciation, de la toxicité du vaccin également. Donc on a pas mal de cas de figure quand même. Hein. Il y a des gens qui sont tellement stupides, qui supplient presque l'ennemi de leur administrer quelque chose de létal pour qu'ils puissent avoir le bonheur de mourir sous sa main. Je vous certifie que ça existe. Hein. Vous n'imaginez pas l'ampleur de la stupidité qu'on est parfois à laquelle on est parfois confronté. C'est quand même hallucinant à certains moments. Donc il y a vraiment beaucoup de cas de figure. On peut pas parler de l'effet du vaccin comme ça pour tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. Il y a trop de cas différents. Alors la charge virale, on l'a complètement atténuée, autant qu'on a atténué la charge virale du coronavirus lui-même, puisqu'au départ c'était quand même quelque chose de très contaminateur. Et puis finalement, bon ben c'est un coup d'épée dans l'eau. On a bien travaillé là-dessus. Bon, l'ennemi a continué à faire semblant que c'était terrible, malgré l'évidence qu'en fait, il ne se passait rien. Bon, il y a les gens qui sont
sont indétrônablement peureux face à toutes les menaces que l'ennemi leur annonce comme planant au-dessus de leur tête. Ces gens-là, on ne peut rien en faire non plus. Donc tout est géré de manière particulière pour l'instant. C'est un peu au cas par cas. Alors, pour répondre à la question précisément, s'il y a un antidote aux effets du vaccin par l'ARN ou autre chose, hein, à la limite. Après le basculement, potentiellement, oui, effectivement. Il y aura probablement moyen de récupérer un peu, peut-être pas complètement, mais quand même. On fera tous nos efforts pour que ça puisse se passer, effectivement. Et les autres, malheureusement, les autres, ils passeront. Voilà. Bon, c'est pas une condamnation, encore une fois, hein. On ne peut faire que ce qu'on peut faire. Si on pouvait régler tous les problèmes par un claquement de doigts, ben, on le ferait, sans hésiter. Mais là, c'est difficilement possible. Donc, on fait comme on peut. Mais là, il y a des chances quand même, hein. Il y a moyen de s'en sortir. Là, ça laisse quand même entrevoir un espoir non négligeable finalement pour un certain nombre de personnes, notamment les gens qui sont obligés, plus ou moins contraints et forcés, de se faire vacciner pour raison professionnelle, parce qu'ils sont des professionnels de santé ou fonctionnaires par exemple, ou qui doivent impérativement faire ou dont on vaccine les enfants sans leur demander leur avis, ça arrive aussi. Ça laisse quand même une marge de manœuvre, une marge d'espoir quand même pour se sortir des conséquences de cette aberration. Oui, effectivement, absolument, ça c'est un fait, hein. On travaille toujours très dur sur ces possibilités de rectification ultérieure. Il y a quand même souvent moyen. C'est vrai que c'est une génération, les temps qu'on vit sont extrêmement délicats. La génération suivante s'en ressentira un peu, pas trop heureusement, et puis ça va aller de mieux en mieux, mais c'est quand même délicat. Mais nous avons des solutions à apporter, ça ne vous en faites pas trop pour ça. Les solutions potentielles existent et seront appliquées de manière systématique. Bon, bah c'est très bien, c'est quand même une bonne nouvelle. Allez, on continue avec une question de Chris. Décidément, c'est notre grand habitué, Chris. On vous salue, Chris. Alors, est-ce que la méditation, de plus en plus plébiscitée soit-elle, est-elle une bonne chose pour nous ou s'agit-il d'une énième pratique de l'ennemi déguisé? Intéressant ça. Oui, effectivement, c'est une intéressante question. Alors, c'est vrai qu'il y a, on a souvent eu l'occasion de, bon, pas dans les vidéos, mais notamment sur notre forum, sur notre site, on a eu souvent l'occasion de parler des méditations qui étaient organisées, des méditations géantes, où toute la planète est mobilisée pour des méditations pour la paix. Voilà. Bon, ça, c'est organisé par l'ennemi. De toute façon, il n'y a que l'ennemi qui a la faculté de claquer, enfin, qui avait la faculté de claquer les doigts et faire répondre la Terre entière à son claquement de doigts. Enfin, n'importe qui organise une méditation comme ça, il aura au maximum 200 personnes avec lui, mais pas toute la planète. Hein. Ce que peut obtenir l'ennemi, c'est s'en donne les moyens. Bon, là maintenant, il n'a plus vraiment trop les moyens, mais en fait, il a beaucoup de relais de gens qui paraissent extraordinaires, formidables, illuminés, alors que ce sont des. Enfin bon, bref. Mais hormis ça, le principe de la méditation est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose d'extrêmement important, qu'il faut pouvoir privilégier quand même, dans la mesure du temps disponible et des possibilités. Je sais que tout le monde ne sait pas forcément, comment méditer. C'est pas si simple. Mais il faut savoir que la méditation s'oppose, ou de manière possiblement constructive, hein, à l'activité mentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les deux. On peut pas y avoir de méditation mentale ou de mentaliser une méditation. C'est pas possible. Ce sont deux activités qui peuvent se complémentariser très bien, mais dans un ordre précis, et l'un après l'autre, pas en même temps forcément. Mais si la
activité mentale et intellectuelle et réfléchie, il représente une activité en tant que telle. La méditation, donc l'activité mentale est très masculine dans ça. La méditation est quelque chose de profondément féminin. C'est ce qu'on appelle l'appel de la conscience coupe. Il y a une conscience plus douce, plus calme, passive, qui est typiquement féminine. On arrête le jeu du mental et on fait le vide. Et on laisse venir quelque part. C'est le principe de la méditation en soi. Et ça permet de remplir, faire remplir par quelque chose de supérieur, l'absolu en soi notamment, ça passe obligatoirement par là, la coupe intérieure qui potentiellement peut être relativement vide et la remplir peut représenter quelque chose d'intéressant quand même. Alors, encore une fois, dans les temps passés, la méditation pouvait représenter quelque chose de dangereux. Il y a énormément de consciences malveillantes qui pouvaient en profiter pour y placer des choses négatives, programmer les inconscients, etc. Les méditations, alors c'est soit des méditations sur le vide, on ne pense à rien, soit on pense à une seule et unique chose, à une couleur, on se concentre sur la flamme d'une bougie, par exemple, ou on appelle une réponse, on est dans une perspective de choix possible, on ne sait pas quel choix à faire, donc on appelle une forme de raison supérieure à éclairer sur le meilleur choix possible pour soi en l'instant présent. Et la réponse vient, elle vient toujours à un moment donné, au moment où elle descend peut-être pas comme ça, paf, c'est peut-être pas l'illumination, elle ne vient peut-être pas immédiatement, elle ne vient peut-être pas forcément de manière consciente, c'est-à-dire que le mental ne va pas faire la lumière sur ce qui a été déposé dans cette coupe. Ça peut, mais pas obligatoirement. Ça peut se manifester de mille manières. Mais ça reste extrêmement important. À un moment donné, il faut faire taire le mental et laisser les choses, les meilleures, s'approcher de vous. Non, c'est ça. Parce que tant que vous êtes émissif, les choses ont du mal à s'approcher, forcément. Alors que si vous êtes dans le silence intérieur et extérieur, les choses peuvent approcher. Et vu que nous nageons dans un bain de vibrations propre à l'âge du diamant, puisque c'est quand même l'âge cosmique sur la note de laquelle vibre tout le système solaire, on est complètement plongé dedans. Eh bien, cette énergie-là fait quand même effet de filtre, et a tendance à laisser passer nettement le meilleur plutôt que le pire. Le pire est en déroute actuellement et de plus en plus. Alors, faut rester vigilant, bien évidemment, on va éviter de faire trop n'importe quoi. Mais ça reste une alternative extrêmement précieuse parce que nombre d'enseignements, de découvertes de soi-même ou d'autrui ou du monde, peu importe, énormément de compréhension peuvent venir grâce à ce moyen-là. Réfléchir à l'infini sur un problème ne vous fera pas forcément connaître la solution. Pas forcément. Si toutes les portes vous semblent bloquées, vous savez plus où aller, ça peut représenter la dernière solution permettant justement de mettre l'éclairage sur quelque chose de nouveau auquel vous n'aviez pas pensé. Ça ouvre de nouveaux horizons. Donc, non, ça reste toujours quelque chose de très précieux. Il faut savoir un petit peu, avoir un peu l'habitude de le faire, et puis le mental est un peu casse-pied parce que si on le sollicite pas, s'il peut pas sautiller comme un singe d'une branche à l'autre, il n'est pas bien. Il a tendance à nous faire regarder l'heure. Bon, c'est fini, on peut passer à autre chose, on peut regarder la télé, on peut faire un jeu vidéo, on peut aller sur Internet, on peut aller sur Facebook. Alors lui, il est friand de ça, donc forcément, il peut se montrer contrariant hein, dans la pratique de la méditation, mais au-delà de ça. Ça reste quelque chose de vraiment, vraiment très précieux. Non, sans problème. C'est intéressant, ça. Vous ne voudriez pas nous enregistrer des cours de méditation, éventuellement, Iliane? Oh là là, je vous vois venir, vous. Oh là là. Non, non, non. Non, j'ai pas le temps. Hein, j'ai pas le temps. Déjà, les vidéos, ça me met au taquet. Hein, s'il faut en faire encore plus, maintenant. Mais les choses se feront toutes seules. Il ne faut pas s'en faire. Hein.
Cet enseignement-là viendra aussi au moment adéquat. Mais c'est vrai que si les gens sont un peu ou un peu l'habitude et ont envie d'essayer, bon, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent, ce sera jamais mauvais, à la limite. Mais toujours dans le discernement et la vigilance, obligatoirement. Et si les gens ne savent pas ce que c'est qu'être, comment on fait pour être avoir du discernement et de la vigilance, ils font quoi Et alors? bien dans ce cas-là, ils font semblant de savoir. Semblant comme ça, et ça suffit, pouf. Peut-être pas, pouf, mais ça suffit. Oui. On en revient à l'histoire des cinq piliers de la perfection. Admettons, quelqu'un dit, il faut que je sois vigilant et que j'ai du discernement. Mais ça ne me parle pas, je ne sais pas comment on fait. Eh bien, il suffit d'aspirer à en être parfaitement capable et à savoir ce que c'est. Faire l'effort de chercher, essayer de comprendre, d'être sincère dans cette aspiration et dans cet effort. Si vous n'y arrivez pas, d'en être détaché, sans vous prendre la tête avec ça, et restez joyeux. La recette est toujours la même, elle est valable pour tout et ça fonctionne à merveille. Donc même si vous le trompez, l'erreur qui se présentera à ce moment-là vous permettra, par une légère déviation du chemin, de comprendre ce que vous n'aviez pas compris. Et dans le meilleur des cas, ben vous y arriverez tout simplement. Et vous comprendrez aussi. Donc, voilà. À vous entendre, on pourrait croire que ces cinq piliers sont la réponse à tous les problèmes, quelque part. Peut-être pas la réponse à tous les problèmes, mais la manière de gérer tous les problèmes, ça, oui, en amont, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Eh bien, c'est parfait. C'est quand même très bien de savoir que ça existe. Allez, on enchaîne. Deuxième question de notre ami Chris. Les musiques proposées sur votre site, donc le site archimagistère.com, augmenteraient notre fréquence vibratoire. Mais à chaque fois que j'en écoute, il m'arrive quelque chose de pas très agréable. Est-il possible que cela soit dû à ces musiques ou à l'arrêt du rituel rhénique que je pratiquais il y a quelques semaines? Oui. Alors, Eliana, vous répondez quoi à ça? Ça a pourtant été répété sur tous les tons, hein, que la pratique du rhénique était censée être perpétuelle quelque part. Franchement, ce n'est pas pour l'effort que ça demande, c'est pas pour l'effort que ça demande. Enfin, pourquoi arrêter quelque chose qu'on vous dit qu'il ne faut pas le faire? Et on vous explique pourquoi, à la limite. Hein, c'est le principe du brossage de dents. Oh, vous voulez avoir de belles dents, il faut vous brosser les dents tous les jours. Hein. On se brosse les dents tous les jours. Puis pour finir, bon, j'arrête, j'ai plus envie. Puis après, bon, on a plein de tartres partout. Et puis mauvaise haleine et machin. Oh, est-ce que ça vient du fait que j'ai arrêté le brossage des dents? Ben oui, quelque part, c'est un peu ça. Hein. Ah oui, ces hymnes sont puissamment chargés de l'énergie liée au sens du titre qu'ils portent. Ce sont des filtres vibratoires. Vous mettez un hymne comme ça et ça charge la pièce du sens qu'il porte et ça bloque les vibrations opposées. Ça ne peut pas vous faire de mal, à moins que votre double, que vous avez commencé à brider en faisant le rhénique, lui enseignant que vous saviez qu'il existait et vous avez pris des contre-mesures contre ses actions, à un moment donné, eh ben, vous lui rendez sa liberté. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? C'est une conscience, hein, à laquelle vous vous êtes opposé. C'est votre poubelle psychique personnelle. Autoconsciente, donc forcément, il va prendre des mesures pour bloquer tout ce qu'il atteint, puisqu'il n'est plus bridé. Eh ben, il a champ libre. Donc, à partir du moment où vous vous soumettez à une vibration qui vous fait du bien, mais qui lui fait du mal, eh bien, il va lui-même contre-réagir à ça et faire en sorte que vous soyez placé dans des circonstances qui vont vous conduire à le privilégier, lui, et arrêter ce qui vous fait du bien. Voilà. Et si ça continue comme ça, vous allez même vous faire vacciner, à la limite. Oui. Non, faut rester cohérent, hein. On peut pas aller à l'encontre des consignes et se demander, tiens, c'est bizarre, ça ne réussit pas.
Oh, si, on peut, hein, ben, la preuve, hein, vos amis, vous l'avez fait, d'autres l'ont fait aussi. Ça permet d'éveiller la conscience sur le fait qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc, vous êtes dans le constat personnel qu'il y a une influence négative qui se produit. Bon, vous pouvez pas certifier que ça vient de l'abandon numérique, mais puisqu'on vous explique le système et que vous constatez que en faisant ce que vous avez dit de ne pas faire, vous êtes soumis à des situations moins avantageuses que lorsque vous le faisiez, à la limite, ben disons que voilà, 1 plus 1 égale 2, quoi. Donc non, les hymnes de l'âge de diamant ont une portée vibratoire inestimable. C'est d'une puissance extraordinaire. Certains plus que d'autres. Certains ne sont pas forcément obsolètes, enfin certains le sont venus, ils ont été retirés. Il y en a qui sont plus à jour que d'autres, à la limite, plus en adéquation. Celui qui est vraiment dans le top 3 des vibrations, des hymnes vraiment en parfaite adéquation avec le temps présent, c'est celui qui constitue le générique des vidéos podcasts. Il est très, très puissamment chargé. Donc forcément, si le pire, si vous avez débridé le pire en vous, que vous l'avez titillé en lui mettant la laisse autour du cou et que vous l'avez maintenu en laisse, si après vous lâchez la laisse, vous imaginez bien que il va pas rester fidèle au pied à attendre que vous la lui remettez, hein, vous la remettiez. Donc forcément, il se passe des choses. Et c'est pas grave, ça permet de prendre conscience que c'est vraiment vivant tout ça et qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Il n'y a rien de tel qu'en faire l'expérience personnelle. Donc le seul conseil que je puisse vous donner, c'est reprendre votre rhénique. Hein, c'est pas pour le temps que ça prend, hein, honnêtement. C'est facile, ça prend 3 fois rien de temps. Il a été quand même allégé depuis un moment par rapport à une version antérieure. Il est toujours aussi efficace, c'est très soft, mais il faut s'y tenir. Ça permet vraiment de brider énormément de mouvements possiblement négatifs en soi et de ne laisser que l'expression de votre choix et non pas le choix de votre double. Donc, reprenez ça et ne vous priez pas des hymnes, ce serait vraiment dommage. C'est vrai que leur portée vibratoire est considérable et c'est vraiment particulièrement inspirant et en parfaite adéquation avec les temps actuels. C'est un bon soutien, mine de rien. Tout à fait, tout à fait. Nous qui percevons ces vibrations-là, et on en voit l'influence, on sent ce qui se passe, on perçoit les architectures subtiles que ça produit. C'est fantastique, fantastique. Et vous les écoutez vous-même, ben vous, les Twitch en général? Ah, mais oui, ça nous arrive très souvent, on s'en prive absolument pas. C'est rechargeant, ressourçant, c'est fantastique. Ah, ok, ça fait plaisir. Remarque ou suggestion de Chris, je ne sais pas si tout cela est vrai, mais cela me permet de garder l'esprit ouvert et de ne pas m'enfermer dans ce que nous disent les médias. Sincère ou pas, je vous remercie de nous proposer une réalité alternative et qui sonne de plus en plus dans nos cœurs. À très bientôt, cher Twitch. Je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir contribuer à améliorer un petit peu quelque chose. Finalement, cette initiative était une très bonne idée, finalement. Je sais que vous n'êtes pas le seul à réagir comme ça. Quant à ne pas savoir si tout cela est vrai, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien de garder cet esprit ouvert sur la possibilité ou sur l'arnaque possible, peu importe. Faites-vous votre avis tel que vous le sentez. On n'a jamais dit qu'on avait raison, on n'a jamais essayé de s'imposer en disant nous avons raison, nous détenons la vérité. Je vous dis, à partir du moment où on pose des questions, on répond, on a des choses dont on peut témoigner, alors on le fait. Il faut suivre la résonance de son cœur, tout simplement. Donc, ne cherchez pas en termes de vérité ou de mensonge ou
chercher en termes de résonance. Il y a des gens qui se fourvoient complètement dans des voies complètement abracadabrantes, qui ne mènent nulle part. Mais à ce moment-là, ces gens-là ont besoin de vivre ça parce que ça leur ouvrira l'esprit sur une prise de conscience particulière, qu'ils soient en rapport ou non avec ce qu'ils sont en train de vivre. Mais c'est quelque chose d'important. L'erreur, la vérité, c'est le mensonge, l'illusion. C'est très relatif tout ça. Il faut plus raisonner en termes de ce dont on peut avoir besoin pour aller plus loin en l'instant présent, plutôt que ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a certaines personnes qui ont besoin de leurs illusions jusqu'à un certain moment. D'autres illusions qui sont quelque part nécessaires, parce que ça représente une espèce de décodage de quelque chose qui serait imperceptible autrement. On dit l'univers, la matière est illusion. Bon ben, si le temps est illusion, effectivement, le temps est une pure illusion. Enfin, c'est quand même quelque chose dont on a besoin pour être à l'heure à un rendez-vous, par exemple. Donc oui, c'est tout est relatif. Il faut pas se focaliser, faut pas se fanatiser autour d'une conception ou d'une autre. Et rester l'esprit libre et ouvert autour de quelque chose, bon, ce qu'on essaie de faire ici, et nous semble-t-il important, ben, il semblerait que ça soit pour vous aussi, mais ne décidez pas que c'est faux, ne décidez pas que c'est vrai. Sentez simplement si ça vous fait du bien, si ça résonne en vous, et si ça résonne, eh bien, allez-y, avec vigilance, toujours, hein, toujours, la vigilance. Et voilà, c'est tout. L'essentiel, c'est d'avancer, peu importe le reste. Eh bien voilà un message de grande sagesse, ma chère Eliana. Je vous félicite. Non, c'est très bien, effectivement. Allez, on va conclure pour cette 19e entrevue avec vous, Eliana. Je vais juste faire part d'une remarque d'Aura qui nous dit: Bonjour Eliana, quelle question puis-je poser après la minute 34, 44 du dernier podcast. Rien, alors je cite double point, ouvrez les guillemets, rien de ce qui est issu de ce paradigme-ci ne peut permettre le passage au suivant. Fermez les guillemets. Je ne peux que cette prière toujours renouvelée et toujours ardente de vibrer à l'exacte mesure du nouveau paradigme, n'est-ce pas? Vous dire gratitude, entre guillemets, n'est pas suffisant. Exhaler votre essence serait-il un commencement? À vous, Aura. Oh, c'est beau ça. Oh là là. Exhaler notre essence. Eh bien, je pense que oui, ce serait. Tout dépend de ce que vous ressentez par rapport à ce que nous sommes. Si ça fait écho, si nous faisons écho, si votre perception ou votre interprétation de ce que nous sommes fait écho au meilleur en vous. Alors oui, absolument, absolument. Ouvrez votre cœur à ça et soyez dans l'accueil de cette vibration qu'il vous semble déceler chez nous, ce qui augmentera considérablement le lien qui nous unit déjà, le lien naturel, puisque tout est uni, tout est un. Et ça favorisera notre présence en vous et marquera peut-être votre conscience, votre pleine conscience en tant qu'incarné, dans le sens de ce féminin glorieux et joyeux. Je sais que vous êtes une femme, donc c'est pour ça que je parle en ces termes. C'est quelque chose qui peut représenter un atout considérable dans la mesure où je pense sincèrement que ce qui manque le plus à l'humanité actuellement, ce sont des modèles fiables de grandeur, de droiture, de beauté, de noblesse intérieure, du meilleur de ce que l'être humain est capable d'exprimer. Nous avons aussi pour vocation
de représenter ces modèles autant que possible. Le couple sacré a la vocation de représenter ce modèle aussi. Les manifestations diverses et variées de l'absolu sont dans cette logique-là. C'est pas je suis Dieu, priez-moi, agenouillez-vous. C'est ça, non, ça c'est l'ennemi, ça, qui se part du masque. Non. On est vraiment dans cette logique de pouvoir accorder un ensemble de modèles reproductibles de manière à ce que l'humain puisse, se fondant sur les modèles offerts, transformer sa nature intérieure et, encore une fois, s'accomplir pour le meilleur, pour eux et pour tous. Donc, exhaler notre essence. Oh là là, c'est... Ah, de notre côté aussi, il faut rester humble. Mais, disons, ressentir cette résonance de ce que nous sommes en vous et vous fonder dessus. Si vous estimez, que c'est bon pour vous, alors oui, faites-le. Voilà. Merci en tout cas pour, ce témoignage. Oui, c'est vrai que c'est beau. Hein. On vous sent touché, hein, quand même, Iliana. Bah, franchement, il y a de quoi, hein. Oh, il y a de quoi? On n'est pas insensible du tout, hein, on l'a toujours dit, hein, on n'est pas des machines. Hein. Oh là là. Non, c'est vrai que c'est très très bon. Et ça nous donne ce sentiment d'être vraiment utile, d'être là, de ne pas faire chou blanc, d'être présente et d'impacter l'humanité, mais ne serait-ce qu'une seule personne. Bah, se prend l'énergie de ce que nous sommes et pour aller arroser son jardin intérieur. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une vraie récompense pour nous. Ouais, ça je comprends bien, oui. Et c'est très bien exprimé de votre part. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette 19e vidéo. Ilyalana, je vous remercie comme d'habitude. Je vous souhaite un bon week-end, ainsi qu'à tous les amis qui nous écoutent. Si ces entrevues avec une Dvish vous plaisent, vous parlent, eh bien merci de les liker, de les partager afin que d'autres puissent les apprécier également, tout comme vous. Et si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à la Prakandasena Avocat ou à Ilyalana personnellement, ou si vous trouvez que les sujets abordés ne sont pas à votre goût et ne sont pas moins intéressants qu'ils le pourraient, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle, amgt.link/questionsudvish, afin de nous poser vos propres questions et en obtenir les réponses. Voilà, ce qui permettra d'orienter ces vidéos dans le sens qui vous agrée. Voilà. Je vous rappelle que les commentaires sont ouverts, modérés mais ouverts. Donc n'hésitez pas à nous témoigner vos réactions si vous avez quelque chose à communiquer par ce biais. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Soyez assurés que nous vous aimons tous d'un amour force, inconditionnel, n'est-ce pas, Eliana? Oh, mais ça, absolument, c'est la base de la base, absolument. Merci pour vos vœux de bon week-end et puis que ceux qui nous écoutent aussi se portent très bien et je leur donne rendez-vous, nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine alors. Absolument, à la semaine prochaine. Il y en a à la semaine prochaine, chacun de vous. Passez un bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir à vous, au revoir à tout le monde et à lundi.